Bonjour les yogis, aujourd'hui nous allons faire une pratique spéciale bas du corps. Donc on va renforcer les fessiers, les jambes, les mollets et les chevilles. Comme ça pour avoir la forme pour cet été et se sentir léger avec un corps tonique. Alors à vos tapis, mains sur les genoux. Vous tenez légèrement le bas du ventre, puis vous allongez la colonne, on replace les épaules. Vous relaxez derrière les yeux, vous relaxez le front. Puis vous inspirez et vous expirez uniquement par le nez pendant toute la pratique du yoga. À chaque inspiration, vous sentez que vous mettez beaucoup plus d'espace dans la cage thoracique, que vous allez dans une respiration circulaire aussi sur les côtés et sur l'arrière du dos. Puis vous expirez lentement, restant bien long. Et vous rentrez les côtes un petit peu vers l'arrière. Encore inspirez, on va sur 4. 1, 2, 3. 4, expire, 1, 2, 3 et 4, encore, inspire, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3 et 4, une dernière fois, inspirez, gonflez bien, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, et 4, et on revient à une respiration naturelle. Puis vous ouvrez les yeux. Et on va commencer debout. Donc vous vous mettez à l'avant du tapis, les pieds collés ensemble. Puis vous activez les jambes ici vers l'intérieur, bascule du bassin. Essayez de remonter un petit peu comme ça le bas du ventre. Puis vous placez les épaules. On ouvre les orteils, on monte sur la pointe des pieds. Serrez les fesses, serrez les jambes. Inspirez, montez les bras vers le ciel. On s'étire. Puis on repose ici les talons. On plie les jambes, on part directement dans une chaise. Vous montez les bras vers le ciel. Et ici, vous relaxez un petit peu les orteils. Donc les genoux sont bien collés ensemble. On monte jusque tout en haut, on garde les bras vers le ciel, on va sur la pointe des pieds, inspirez. Et on va plier les genoux pour redescendre dans une chaise sur la pointe des pieds, relaxez dans vos épaules. Puis vous tenez le bas du ventre encore. On pose les talons par terre. Et on expire en lâchant la tête. Inspirez, vous allongez le dos. Puis vous allez dans le chien tête en bas. Vous avez les doigts des mains bien écartés. Vous pressez dans le bout des doigts pour soulager un petit peu les poignets. Poussez dans les bras, vous respirez profondément. Puis on va monter la jambe droite, jambe tendue quand on monte la jambe. Et avec le genou, vous allez vers le nez. On amène les épaules en dessus des mains. Et on repart une deuxième fois. Expire, genou vers le nez et on remonte. Puis on va avec le genou cette fois à l'extérieur du coude, jambe arrière bien tendue. Et on va avec le genou au milieu. Vers le nez. On remonte vers l'arrière, inspirez. Et vous posez la jambe. Longueur dans le dos, faites une belle respiration ici. Puis on part avec la jambe gauche, inspirez, montez vers le plafond. Genou vers le nez, épaule en dessus des mains. Et on repart. Creusez bien dans les épaules. Deuxième fois vers le nez. Puis on va vers l'extérieur et vers le nez encore une fois. On monte vers le plafond, inspirez.
Et vous posez ici les deux jambes par terre, longueur dans le dos. On monte la jambe droite vers le plafond tout en haut. Puis vous allez ici vers la main droite et main sur les hanches. On replace les épaules. Petite bascule du bassin, on descend le genou à 2 cm. Puis on essaie de garder cette bascule du bassin, mais on retend derrière. Encore, on descend sans toucher et on repart. On descend sans toucher et on repart derrière. Puis on fait minuscule, minuscule bascule du bassin, vous pliez un tout petit peu et on retend derrière. Minuscule bascule du bassin, aspirez ici et on repart derrière. Et une troisième fois, inspirez bras vers le ciel, puis on tend la jambe arrière, pliez bien. Encore une respiration, on ouvre le buste et on pose les deux mains par terre pour aller vers l'arrière dans un chien tête en bas. Vous bougez un petit peu ici vos jambes. Puis on va partir avec la jambe gauche qui monte, inspirez. Puis allez vers la main gauche, délicatement vous posez par terre et main sur les hanches. On replace les épaules, vous tenez ici le bas du ventre, bascule du bassin, bien remonter le ventre, on descend une fois. Et on retend. Bascule du bassin, deuxième fois. Et on retend. Troisième fois. On retend derrière. Et cette fois, on va plier un tout petit peu. Et on retend. Vous pliez bien dans la jambe avant. Deuxième fois, un tout petit peu. Et on retend derrière. Et dernière. Tenez bien le ventre, inspire, bras vers le ciel. Et on retend, on ouvre le buste, bien ouvrir les épaules. Vous respirez. Et vous posez les deux mains, vous venez ici à l'avant du tapis. Inspire, étire le dos. Et on relâche la tête complètement. Puis on remonte jusque tout en haut, bras vers le ciel. Et mains sur les hanches, baissez vos épaules. On monte ici sur la pointe des pieds de nouveau. Montez les bras. Puis on va coller les genoux, descendre dans une chaise. Serrez les fesses, on relaxe dans le haut du corps. Et on pose pour descendre un petit peu plus bas. Longueur dans la respiration. Puis on met les mains par terre, on tend les jambes, expire. On étire le dos. Vous placez les deux mains, vous allez dans une planche. Puis on descend genoux, taille, poitrine jusque tout en bas en expirant. Inspire, cobra, vous baissez vos épaules ici. Et on redescend, vous crochez les pieds dans le sol, tendez les jambes, on décolle ici les genoux, on garde ça. Puis on monte, chien tête en bas. On monte la jambe droite vers le plafond, puis vous allez vers la main droite. Et on décolle ici la jambe arrière, bien tendue, dos long. Et on va plier dans la jambe. Gardez la jambe arrière et on remonte. Poussez ici dans la jambe et on descend une deuxième fois. Et on remonte. On garde les hanches bien parallèles au sol. On descend et on remonte. Puis on va la tête vers le tibia et on monte jusque tout en haut. Puis on pose les deux pieds par terre, inspirez, étirez le dos. Vous reculez de nouveau ici dans une planche. J'ai le pull qui sort. Et on revient ici dans la planche. On pose genoux, taille, poitrine jusque tout en bas. Inspire, cobra, baissez bien vos épaules, montez le buste.
Et on redescend, crochet les pieds, jambes tendues, active, on garde ça, on monte, chien tête en bas vers l'arrière. Longue respiration. Puis on monte la jambe gauche, on va vers la main gauche et vous décollez directement la jambe droite derrière. Ici, essayez de pousser dans la hanche pour l'éloigner du sol. Jambe tendue derrière, on va plier une fois. Et on remonte. Une deuxième fois, plier. Et remonter. Poussez bien dans la hanche. On descend une troisième fois. On remonte, puis on va le nez vers le tibia. Pressez bien dans le sol. Vous respirez. Et on revient ici à l'avant du tapis. Vous lâchez la tête. Et on monte jusque tout en haut, bras vers le ciel. On vient main sur les hanches. Vous ancrez le pied gauche dans le sol, vous ouvrez ici bien les orteils. Activez le bas du ventre, petite bascule du bassin, comme ça on est bien solide aussi dans la jambe. Ancrez dans le sol, on tend. Fixez un point. Et on va tendre une fois. Deux fois. Et trois fois. Puis on ouvre de côté. Prenez ici le genou, vous ouvrez un peu plus. On respire, on essaie de grandir, activer la jambe qui est dans le sol. Et on revient. Encore une fois. Un. Deux. Et trois, on reste. Belle respiration. Inspirez, bras vers le ciel. Et on pose délicatement, on relaxe dans les jambes. Puis on va ancrer l'autre côté, donc le pied droit dans le sol. Et vous soulevez la jambe gauche. Fixez un point par terre, puis vous ancrez bien cette jambe super solide. Et on va trois fois. Un, deux. Et trois, puis on revient ici, continuez de grandir, de vous allonger, on prend le genou et on ouvre de côté. Fixez le point, montez ici un petit peu. On revient au centre, main sur les hanches. Et un, tendez bien. Deux. Et une troisième, on essaie de rester un petit peu. Bras vers le ciel, inspirez. Et on pose ici, on relaxe, ça tire bien. On vient à l'avant du tapis, placez vos épaules. Inspire, bras vers le ciel. Puis vous descendez vers le bas. On étire le dos, vous allez reculer les deux pieds. Et vous crochez bien les pieds dans le sol, les doigts écartés devant. Vous tendez les jambes et on descend le bassin. Poussez ici dans le buste, vous serrez les omoplates. Vous respirez. Et on soulève la jambe derrière. Puis on plie et on tend de nouveau. Encore deuxième fois. Et on tend, on pose ici. Et vous tendez bien la jambe droite, on soulève gauche, pliez, tendez une fois, on replie et on pose ici, jusque tout en bas, expire, inspire, on remonte, puis on vient ici à genoux, les mains sous les épaules, les doigts bien écartés. Puis on va partir avec la jambe droite, donc vous pouvez soit crocher le pied derrière si vous êtes plus stable, soit le mettre à plat. Personnellement, je préfère plier. Donc vous pliez la jambe droite et on va monter ici vers l'épaule, tout en respirant tranquillement et on redescend. Encore, on monte,
Et on descend. Montez. On descend, on fait 5 fois. Encore 2. Alors, quatrième. On descend. Et dernière, montez tout en haut. C'est le chien qui fait pipi. On respire. Et on pose pas. On repart derrière. Respirez. Ici, vous pouvez faire pied flex ou tendre ou bien alterner. Mais gardez le pied bien vers l'intérieur. Et vous sentez l'intérieur de la cuisse. Puis on pose. Prenez un baby pose pour étirer la colonne. Longue respiration. Et on revient ici à genoux avec les doigts bien écartés. Vous pressez dans le bout des doigts et on monte tout près de l'épaule, bien haut. Une fois, on descend sans toucher et on remonte. Deuxième. Et encore troisième. Et on redescend. Quatrième, on monte. Poussez bien dans les bras. Et on redescend. Puis cinquième, on reste un petit peu. On redescend sans toucher, on part derrière. Pied flex. Puis vous activez l'intérieur de la jambe. Et on pose ici, prenez un baby pose, les pieds un petit peu plus, les genoux un peu plus larges. Et on s'allonge. Avec les deux mains, vous marchez du côté droit. Poussez avec le coccyx vers l'arrière. Et on marche du côté gauche. Puis on revient ici au centre pour s'asseoir avec les deux jambes tendues. Vous allez placer les mains derrière, vous pouvez les placer comme ça ou comme ça. L'essentiel étant d'avoir le buste quand même bien ouvert, mais ce n'est pas vraiment l'important ici. Donc, vous allez tendre les deux jambes. Relevez quand même bien le buste pour vous allonger. Puis, on monte un étage. Puis, deuxième. Et on monte encore un petit peu plus haut. Respirez. Et on va faire quelques cercles loin de côté. Puis on revient au centre. On fait des 8, des petits 8. Donc la jambe, elle va vers l'intérieur et vers l'extérieur. Elle tourne. C'est bon aussi pour les hanches, pour la circulation dans les jambes. Et on pose ici, on relaxe. Vous pouvez taper ou presser un petit peu dans votre jambe pour pas qu'il y ait de contracture. Bien assis, on ouvre, on monte un petit bout. Deuxième. Encore plus haut, vous respirez. On part faire des cercles. Tournez la jambe, puis vous l'ouvrez ici un peu de côté. Puis on revient, on fait des petits 8. Vous respirez toujours. Et on va poser, on relaxe dans les jambes, masser un petit peu. Dos bien long, inspirez, étire. Et on descend vers l'avant. Pressez dans les jambes, même si vous ne descendez pas très bas. Essayez d'allonger ici le dessous. Vous faites avec la respiration des beaux étirements en longueur.
Et on revient, inspire, montez les bras vers le ciel. Puis on revient ici au centre, on va se coucher par terre. Avec les épaules bien à plat, les omoplates aussi à plat. Puis, bien à plat ici, on monte le bassin. Donc vous avez les pieds largeur des hanches. Puis essayez de bien vous mettre sur les coudes pour pas trop avoir les cervicales qui touchent par terre. Et puis vous pressez dans les jambes, poussez un petit peu vers l'arrière comme ça. Vous pouvez crocher vos mains dessous. On essaie de faire comme une bascule du bassin, hein, d'étirer ici dessous. Puis maintenant, on va juste serrer un petit peu les jambes et ouvrir un petit peu. Micro-mouvement. Vous faites ça une vingtaine de fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Poussez bien dans les pieds. 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Une grande respiration. Continuez d'activer les fesses. Et on pose par terre, genoux vers la poitrine. Vous relaxez un petit peu. Encore, on place les pieds largeur des hanches. On revient dans la posture comme tout à l'heure. Et cette fois, vous allez mettre le pied gauche un tout petit peu plus vers l'intérieur pour pouvoir étendre la jambe droite. Si on veut, on monte. Ou alors, on reste comme ça en longueur. On essaie d'avoir les hanches à la même hauteur et de pouvoir encore respirer. Et on pose ici, pied droit un petit peu vers l'intérieur, poussez bien le bassin vers le haut. Vous pouvez aussi vous soutenir si vous voulez. On tend la jambe. Et on monte si on veut, monter le bassin, puis on redescend. Encore étire vers le haut. Et là, on essaie d'avoir bien les hanches à la même hauteur, que ça ne tombe pas de côté. Et on pose par terre, genoux vers la poitrine. Vous bougez un petit peu le bas du dos. Puis vous ouvrez les bras de côté, vous posez les paumes de main à plat. Vous avez ici les épaules, les omoplates bien à plat. Relaxez dans vos épaules. Puis on tend la jambe gauche. Vous allez crocher le pied droit derrière le genou et venir étirer de côté. Vous relaxez dans la respiration. La tête tourne complètement à l'opposé. La tête est lourde et relâchée. Puis là, vous observez votre respiration, vous ralentissez un peu le rythme. Puis on revient replacer le bassin, on tend la jambe droite et on fait la même chose, on va avec le genou qui croche derrière et on tourne. Puis la tête tourne, lourde. On essaie de lisser l'inspire, de lisser l'expire. Et on revient ici au centre, avec le bassin bien dans le sol. Vous allez ensuite monter la jambe droite et prendre ici derrière l'ischio-jambier. Puis vous allez pousser ici dans la main, le maximum que vous pouvez.
En même temps, on plante un petit peu la jambe dans le sol, hein, comme ça on tire vers le bas. Poussez dans les mains. Ça ne fait rien si ce n'est pas tendu, ça peut être comme ça aussi. Mais poussez dans les mains. Et on relâche. Encore une fois, on pousse dans les mains, on active toute la partie arrière de la cuisse. Puis, si vous plantez bien la jambe en même temps, vous sentez certainement aussi la fesse. On respire. Il y a l'effort qui est que sur les jambes. Tout le reste est détendu. Le visage détendu, les épaules aussi. On essaie de dissocier les parties qui font un effort et le reste. Continuez de pousser donc dans la jambe. Et on plie ici, genou vers la poitrine, relaxe. Puis on fait la même chose de l'autre côté, replacer le bassin si c'est nécessaire. Et puis on prend l'arrière de la cuisse. Commencez par planter la jambe et poussez dans vos mains. Les mains tirent sur la jambe. Hein, voilà, c'est deux forces opposées, voilà ce que je voulais dire. On respire tranquillement pendant qu'on continue de faire l'effort. Et on relâche un peu, puis on reprend l'autre jambe qui est tendue, reste active dans le sol. Tirez bien avec les mains, vous voyez ça tremble un petit peu parce qu'il y a quand même pas mal d'efforts. On dirait que c'est statique, mais le corps travaille bien. Et on plie, genou vers la poitrine et on relaxe ici. Puis vous tendez les jambes. Vous les laissez complètement reposer de côté. Les pieds tournent aussi vers l'extérieur. Et vous mettez aussi vos mains vers l'extérieur. On relâche depuis le bout des pieds. Relâchez chaque doigt de pied, vous relâchez les chevilles. Les mollets. Vous relâchez les cuisses. Le ventre. Puis vous portez l'attention sur le flux de la respiration. Vous sentez peut-être circuler dans les jambes, sous la peau. C'est signe que tout le sang, toutes les cellules commencent à bouger, à augmenter la circulation et à faire son travail. Puis vous pouvez rester encore quelques minutes et après quoi vous reviendrez avec les genoux vers la poitrine. Pour vous tourner du côté droit et revenir en tailleur. Les mains sur les genoux. Le dos long, les épaules relâchées. Vous allez poser la main gauche sur genou droit et vous tournez. En grandissant, vous pouvez regarder derrière mais vers le bas.
Prenez une belle respiration qui fait bouger un petit peu le ventre aussi. Puis de l'autre côté. Et on revient au centre. Les deux mains vers le cœur. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo de renforcement du bas du corps. Vous pouvez cliquer sur le pouce bleu, partager à vos amis, vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Puis je vous rappelle qu'il y a aussi des programmes plus spécifiques sur mon site, des programmes de 3 à 9 vidéos pour travailler certaines parties du corps et aller plus en profondeur. Je vous invite à aller regarder sur le lien ci-dessous. Puis, je fais aussi des zooms en direct, donc suivez-moi pour faire de temps en temps un zoom en direct, ça me permet de bien corriger et de vous connaître aussi. Merci, à bientôt.